Depuis des semaines, la menace d'une offensive terrestre sur Rafah plane, faisant craindre une tragédie à venir. Le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Ammar Ben Jamaa, a de nouveau mis en garde contre une telle opération, appelant la communauté internationale à garantir la mise en œuvre des ordonnances de la Cour internationale de justice et des résolutions du Conseil de sécurité pour protéger les 1,5 million de Palestiniens qui se trouvent à Rafah de la barbarie sioniste. Nous mettons en garde à nouveau contre toute opération militaire à Rafah. 1,5 million de Palestiniens se trouvent à Rafah, qui est devenu l'épicentre humanitaire de Gaza. La survie des habitants de toute l'enclave dépend de ce qui se passe dans cette ville, et toute offensive terrestre voudra dire que les gens n'auront plus d'autre choix que de fuir vers l'Égypte. Ça ne sera plus uniquement une catastrophe humanitaire, mais aussi une rupture irréversible de la paix et de la sécurité dans la région et au-delà. L'urgence d'un cessez-le-feu permanent comme condition sine qua non pour garantir le succès de l'aide humanitaire, Ammar Ben Jamaa a insisté sur le fait que seule une cessation des hostilités peut contribuer à répondre aux besoins des Gazaouis. Autrement, les humanitaires continueront à travailler au péril de leur vie. Nous sommes intimement convaincus que le succès de l'acheminement des aides vers Gaza dépend premièrement d'un cessez-le-feu immédiat et durable. On ne peut garantir un travail humanitaire sûr sans cessez-le-feu. Les 6 derniers mois nous l'ont bien prouvé. Deuxièmement, l'arrivée des aides sans entrave, ce qui signifie l'ouverture totale de tous les passages avec une exploitation maximale. Pas d'alternative à l'UNRWA et les agences des Nations Unies ne peuvent la remplacer. L'ambassadeur de l'Algérie à l'ONU a souligné le rôle irremplaçable de l'UNRWA, étant le fer de lance de l'acheminement de l'aide humanitaire dans une enclave ravagée par plus de 200 jours de génocide. L'UNRWA ne peut être remplacée. Cette agence était et restera l'épine dorsale de l'acheminement des aides humanitaires à Gaza et doit donc travailler librement sans aucune menace. Après le rapport de Mme Colonna, il ne subsiste plus aucune raison de débattre de la crédibilité de l'UNRWA et son efficacité. Je réitère qu'Israël n'a donné à ce jour aucune preuve tangible de ses allégations contre les employés de l'UNRWA. Il faut permettre à l'UNRWA de pouvoir travailler de nouveau dans toute la bande de Gaza, notamment dans le nord gravement menacé par la famine. La coordinatrice principale de l'aide humanitaire et de la reconstruction de l'ONU pour Gaza, Sigrid Kaag, a de son côté appelé à un changement de paradigme dans l'acheminement de l'aide pour répondre aux immenses besoins de la population civile dans la bande de Gaza.